repris le contrôle de la ville. Miles surveille le Fist. MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Yuri, il faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius ? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. J'ai peut-être une solution. Je vous fais signe si je trouve quelque chose. Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marvel Spider-Man. J'ai changé de costume, comme vous avez pu le reconnaître via l'araignée dans le dos. J'ai mis le costume de Far From Home, donc on y va sans plus tarder. On va aller à Times Square, car apparemment on aura une piste pour retrouver Octavius. MJ, quoi de neuf? Ça va? Ouais, ça va, je consulte les rapports de score. Et ça n'a aucun rapport, mais tu te souviens de la fois où on est allé à Staten Island avec Harry? Pour trouver la meilleure pizza de la ville? Ouais, un périple de 10 heures pour une croûte brûlée et du fromage industriel mal cuit. Comment oublier? Ces vieux fichiers de score m'ont fait penser à cette journée. Harry était si content de prendre le ferry. Ça m'a rappelé à quel point tout était plus simple à l'époque. Pas de boulot, pas de méchants. Souviens, on pouvait passer la journée à commander des pizzas. Maintenant, j'ai l'impression que si on s'accorde une sieste, le monde entier va s'écrouler. Ouais. Pas facile la vie d'adulte. Mais bon, on se donne du mal pour que notre gosse puisse s'aventurer à Staten Island à leur tour. C'est un peu le cercle de la vie. Le cercle de la pizza. Ouais, t'as raison. J'aime bien cette façon de voir les choses. Merci. Voilà, on est arrivé. Après qu'on ait eu une bonne discussion sur les pizzas, ça va 5 minutes, mais bon, faut penser aux affaires sérieuses. J'espère que vous êtes motivé. Spider-Man, vous venez nous épauler? Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé des traces que je peux suivre. C'est exactement au même endroit où leur plantage a recommencé aussi. Ouais, j'ai des doutes. Ah. Des résidus sur ce panneau. Intéressant. Je peux peut-être l'isoler. Allez, c'est parti. Séquence initiale riche en paires AT. C'est assez prometteur. Voilà. Ici, je réfléchis. Wait a minute. Là. Non, ça ne correspond pas du tout. Ah, j'ai peut-être une idée. Non, c'est pas ça. Attends, je réfléchis. Voilà. Ah, et ça, là. Non, merde, même pas. Non, qu'est-ce que je fais? Ça. Et ça. Yes! GR27. Le CPF a modifié de Scorp. C'est le souffle du diable. Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. La piste part dans plusieurs directions. Je dois trouver la bonne. Je vais essayer par là un peu, non? Ah, mieux vaut essayer par là. Aucune idée. Piste a disparu. Un cul-de-sac. Ce fils de pute. Oh, heureusement qu'il a pas dit fils de pute. Alors attends, je réfléchis. Par où il est parti? Ah. Là, ça a l'air un peu mieux là. Trace de vapeur mène à ce bâtiment. Là, ça a l'air un peu mieux là, il me semble, là, non? De ce bâtiment à l'autre. Voilà. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Eh ben allez, là, la trappe.
On va découvrir ce que notre cher poulpe cache ici. Sans qu'il y ait un bug, bien évidemment. Eh ben bonjour l'ambiance. Fuyez le repère d'Otto. On doit pouvoir allumer la lumière. Exactement. Que la lumière soit... Wow. Oh. C'est ici qu'Otto planifiait ses opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Martin Lee, j'ai du mal à croire qu'il s'agisse de l'homme que j'ai rencontré au Fist. C'est quoi ça? On dirait qu'Otto et Martin ont plus en commun que je l'aurais cru. Bon, j'ai pas le temps. Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent? Bon, si vous voulez lire, mettez sur pause et voilà quoi. J'ai juste vu quelques secondes. C'est quoi ça? On dirait qu'Otto a enregistré des messages pour ses sbires. Oh, Martin. Quand j'ai compris que c'était toi qui t'attaquais à Osborne ces dernières semaines, j'ai d'abord été consterné. Puis en voyant ce qui se passait, je me suis senti... inspiré. Tu as eu le courage de faire ce dont j'avais toujours rêvé, et ce, sans vaciller. C'est un honneur pour moi de m'allier à toi dans cette quête de justice. Donc en gros, il l'admirait. C'est pas croyable. Ici. Otto agit par colère. L'interface neurale accentue le sentiment, mais sa frustration est profonde. Aye. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre Norman. Ah, il avait prévu en fait l'évasion. Il avait localisé la planque des méchants et tout ça. On va checker un peu, hein. Ici on a quoi? Norman. J'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras. Mais en coulisses, il me tient à la gorge. Comment se fait-il que personne ne voit à quel point il est égoïste, dangereux et malfaisant? Je donnerais n'importe quoi pour qu'il voie Norman comme je le vois. L'homme derrière le masque. Mmh. Ah, les équipements de sable. On dirait qu'Otto a étudié les points faibles de la technologie de sable. Ce qui a permis de donner un avantage aux autres. Ici. Ah, ça doit être... Rangé par le truc, ça doit être Rhino. Ah ouais, c'est Rhino. Ce bon vieux Rhino. Un de mes deux Russes préférés. Deux Russes? T'en connais un autre? Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. Mmh. Qu'est-ce qu'il a à dire pour Rhino? Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme d'un poète. Je sais que vous aimeriez quitter la tenue de combat dont vous êtes prisonnier. Aidez-moi à atteindre mon but et vous serez libre. Ah ouais, ah, c'est ça qui parlait Martin quand il disait dette. En fait, Otto a fait une dette envers tous ces méchants. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Jojo le Barjo. Et en parlant de Scorpion, est-ce que vous auriez aimé qu'on voyait le Scorpion dans Far From Home au lieu de Mysterio? Scorpion vient en aide à Otto en échange d'une ardoise propre. Plus de dossier pénal, plus de dette de jeu. Bon, j'aurais préféré voir le Scorpion hein, dans le MCU parce qu'on l'a teasé dans Homecoming et au final on l'a pas vu. C'est zéro parce que le Scorpion, j'aime bien ce méchant. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan. Mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais, une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Otto Octavius sait se montrer persuasif. Enfin, je pense qu'il s'en fout de tout ça, Octavius. Il fait tout ça, c'est uniquement pour éliminer Norman. On le connaît, hein. Et là, le vautour. Ce bon vieux Vulture. Je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. Qu'est-ce que c'est que ça? La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. Ah, donc le vautour est malade. Il est mourant, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il a à lui dire?
D'ailleurs, Michael Keaton se sortait très bien hein, pour le rôle du personnage de Homecoming. Je trouvais qu'il se sortait plutôt bien. Adrian, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera. Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. Et pour terminer, le méchant que j'ai kiffé dans The Amazing Spider-Man 2 et que j'ai bien aimé le revoir dans No Way Home, c'est Electro. Electro, le plus grand des disjonctés. Electro, je l'adore ce personnage, franchement. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Mais bon, après, il n'est pas au-dessus que Venom ou le Bouffon Vert qui, eux, sont dans mon top 2, bien évidemment. Faut pas exagérer non plus, soyons un peu objectifs. Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve, j'ai d'abord cru que vous étiez complètement fou. De l'énergie pure. Cependant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé un moyen d'atteindre nos buts respectifs. Je vous le promets, quand ce sera fini, vous deviendrez énergie pure, ou quelque chose de si proche qu'on ne fera pas la différence. C'est passionnant. Là, je vois, il y a une carte. Qu'avons-nous là ? Il y a une carte. Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son plan. Elle est vierge. Elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. Ici, ouais. La lampe. Ampoule UV. Il se passe rien. Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Faut suivre le câble. Et le câble est là. J'ai toujours mes toiles électriques, j'ai toujours mes toiles électriques. Et voilà. Ok, voyons qu'est-ce qu'on a de beau ici. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Que fait Vulture à Times Square? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Rhino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Par laquelle il va commencer. Et pourquoi? Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété d'Oscorp. La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Et spécialement Norman, j'imagine. Attends, il marquait quoi? Icarus? C'est quoi ça? Pour l'anti-sérum du souffle du diable? Lee recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. Il doit avoir un lien, c'est pas possible. Costume de Far From Home comme ça en rouge et noir, j'aime bien. C'est beaucoup mieux que la version de Homecoming dont j'aime pas du tout. Icarus. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir une caisse quelque part. Ah ben là, Icarus, c'est ça. Bonjour Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto Octavius. Y a pas d'Icarus, c'est ça? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez? Ça m'étonne pas. Ça m'étonnait pas que c'était un piège. Je te dépose. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Peter? Qu'est-ce que ça va? Vite les transports! Écoute, Lee, on a un prêt d'antisérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui! Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de la ville. Si le labo est enregistré, je le trouverai. Génial! Ok, à bientôt, MJ! J'espère que pendant le combat, je vais pas avoir de bug avec ma carte là, parce que je vous le dis, je suis vraiment à bout, hein. Si ça continue ainsi, je sais même pas si je vais le terminer le jeu. Il s'en est tiré. Mais pas indemne. On passe au plan B. Ok, plan B, c'est... Il me défonce. C'est ça. C'est parti. Ça se voit que t'as grandi en prison, non?
ça a marché. J'avais complètement zappé que j'avais encore l'étoile électrique. Je peux le blesser en tirant une toile sur le transformateur. Ok. On tire sur le transformateur. Voilà. C'est pas un gros coup, lui. Lance-toi. Adrien, c'est moi, Spider-Man. Mais qu'est-ce que tu On a de vieux comptes à régler. Moi, bah, j'ai compris la référence. C'est Rocky Balboa, il me semble. Ah mince, c'était tellement à côté de la plaque. C'est Rocky Balboa, hein, dans Rocky. C'est ce qu'ils disent tous, de toute façon. C'est comme avec Batman, c'est ce qu'ils disent tous, de toute façon. Imagine un combat ainsi dans le MCU avec le Spider-Man de Tom Holland. Non. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'il m'attaque par derrière pour que je puisse le foutre une raclée. Ou je dois lui lancer des toiles. Spider-Man, je vais te briser. Je vais te briser tes os, je vais boire ton sang. Ouais, bravo. Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références. Non, dégage. Oh putain, ils m'attaquent tous les deux. Je vous le dis franchement, je préférais quand vous étiez en solo. Putain. C'est formidable le travail d'équipe quand on y pense. L'énergie de la jeunesse, la sagesse de l'expérience, un tout gagnant. Putain. C'est le moment. Non, dégage électro, fous-moi la paix. Un peu comme l'eau et l'huile. Ouais. Je d'abord fais un jeu de racler à lui. Complètement raté, Max. Comme d'habitude. Vous êtes vraiment nuls à ce point, les mecs. Hein. Tiens, Vulture, pas beau tour. Tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Oh putain, ils se touchent entre eux en plus. Oh, c'est marrant. Raté, Max. Tiens. Je l'ai pas eu le vautour. Tu ne mourras pas, Electro. Rappelle-toi la branlée que je t'ai mis dans The Amazing Spider-Man 2. Il recommence. Sérieux? Oh ta gueule et ton rire de bouffe, là. Tiens. Y'a un problème. J'ai pourtant payé ma facture d'électricité, hein. Voilà. Il veut m'attaquer, lui. Voilà, prenez ça dans vos gueules. Il n'a pas la moindre chance. Oh, mais vous me dites tout ça, là. Vous me dites tout ça. Non, prends tes rêves. Bon, je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation, en fait. Tiens, vautour, je vais te foutre une branlée. Là, je promets à Monsieur Stark que je serai digne des Avengers. Un peu trop enthousiaste, Electro. Enfin bon, je me plains pas. Non. Viens ici. Oula, j'ai foncé sur lui, mais non, ça va. Attends, tiens, hop. Oh, ça va. J'ai cru que j'allais me le prendre, mais non, ça va. Putain. Je pensais même pas qu'il allait me renvoyer certains. Non. Oh putain, j'ai fait une connerie, je m'en excuse. Putain, mais ce combat est épique, je trouve. Hein. Ce combat est épique. Là, je résume un peu ma vie. Non, Electro. Par contre, vous êtes sérieux, il n'y en a pas un qui bouge là. Oula, oh putain. Tiens. Raté. Sérieux? Je le touche même pas. Non. Non, toi reste tranquille. Ah, je l'ai eu. Ben. Vautour est au tapis. Il reste plus qu'Electro. Où en est le survolté? Allez, Electro. Tu as peut-être battu le vieux, mais moi je vais t'avoir.
Quelle assurance! Bravo! Malgré la situation, tu gardes confiance en toi! C'est bien! Tiens, viens ici! Tiens, je crois que toi, t'as pas payé ta facture d'électricité! Il est où le survolté, comme il dit? Voilà! KO Electro! Prochaine fois, je vais lui balancer un verre d'eau. Ça ira mieux, non? Peut-être la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe? Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborn n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Ah, il va pas lâcher l'affaire en fait. Hein. Bon bah ça en fait deux en moins. Je déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de souffler un peu. Mon dieu, que ce combat était génial, franchement, j'ai adoré. Où tu te bats contre pas un, mais deux méchants en même temps, ça c'est la classe, honnêtement. Ça c'est la classe. Et je ne crois pas dans, je sais pas, enfin dites-moi en commentaire sans spoiler, est-ce que dans Marvel Spider-Man 2, c'est des combats ainsi ou pas? Quelle heure est... Oh non. Bon. Ici, on va aller faire quelques... Attends, je regarde. On va déjà faire ça. On va faire des zones de des démons. Enfin, des planques. Faut que je prévienne Yuri. Yuri, plus de 4. Vulture et Electro sont KO. J'ai vu ça. J'ai aussi remarqué qu'un toit a explosé à Times Square. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Rien ne vous échappe. C'était la base d'opération d'Octavius. Il se sert des autres pour démanteler Oscorp. Vulture et Electro visaient les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rhino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Pour l'instant ici, on va mettre de côté les deux autres. Ce sera pour la, prochaine vidéo. À toutes les unités disponibles, on nous a signalé une prise d'otage dans un bus. Voilà. Attends, y a pas un truc où je peux faire pousser là? Voilà. C'est bon. Je devrais entrer. Allez, trêve de galéjade. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, pourquoi pas. Alors, voyons un peu à quoi va ressembler. De toute façon, je vous montre juste hein, en une seule vidéo. Hein. Après, je ferai le reste dans mon coin, mais c'est pas grand-chose. Hein. C'est comme les territoires de Fisk. Hein. C'est à peu près la même chose. MJ, je suis au premier endroit de ta liste. Devine ce que j'ai trouvé. Des démons. Et un bon point pour la demoiselle. Essaie de voir ce qui mijote. Moi, je vais aller me présenter directement. On a des bonus à effectuer si tu veux gagner plus de points. Donc là, je dois effectuer des éliminations. Je me suis gouré de lance de toile. C'était absolument pas celui que je voulais prendre, mais bon. Pourquoi pas? Voilà. Ça c'est fait. Attends, ces deux-là. Pas faire tomber l'étagère. Ah si. Hop. Ok, c'est bon, ils savent que je suis là. Voilà. Me faire plaisir. Allez, hop, venez par ici.
Par contre, cette vidéo, je vous le dis, elle sera peut-être courte, hein. Oh, c'était pas ce que je voulais faire, mais bon, pourquoi pas. Allez. Reviens là. Ah, salut. Vous faites les joueurs remplaçants ? Voilà. Ouais, c'est un peu comme le foot, en fait. Wow. Oh, c'est beau ce que je viens de faire. Oh, celle-là, je l'ai pas vu venir non plus. Roulement d'équipe ? Ok, cool. Parce que vos collègues, là, pas reluisant. Attendez. On va rejouer un peu avec les gadgets. Ou toi, non. Ça ressemble plus à un père de trafiquant d'armes, à mon avis. Et au risque de te surprendre, mais rien de très artisanal. Nos hipsters assassins vont être déçus. Voilà. De toute façon, là, je suis en train de me faire plaisir. Là, tout va bien. Tranquille, pépère. C'est pas que ça me gonfle de vous voir débarquer. C'est que. Ah, bah non, attendez. Eh si. Si, si, ça me gonfle. Attends-toi. Voilà, m'emmerdez pas. C'est où les autres? Oh putain! J'ai pas eu le sens de l'araignée, mais au moins je l'ai vu venir dans un coin. Allez hop! Étagère tombée! Si vous voulez une nouvelle, allez à Ikea. Ils sont en promotion actuellement, vu que c'est Black Friday. Ah non, c'est vrai. J'ai oublié. Le Black Friday, c'est terminé. Allez hop là! Il me reste combien à faire? Deux. Encore des démons! Ça vous dirait pas qu'on mette les choses à plat autour d'un café? Et hop, viens là toi! Et là! Voilà! Ok, ils sont en bas! Non, ça va pas! Ça va pas, ça va pas! On va faire ça! Non! Voilà, ça c'est beau gosse. Et plus que toi? Allez hop, ça pour c'est stylé pour finir. Voilà. Ceci dit, ceci fait. Vous voyez, ça va très vite, hein. C'est pas grand chose en fait. Hein. MJ, tu peux appeler la police. Le site est sécurisé. Bien joué. Chaque fois qu'on arrive à retirer des armes de la circulation, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est le cas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous propose un dernier truc ou on s'arrête là? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je vais me poser des questions. Ou alors, on va juste une petite balade et après on s'arrête là. Moi, je suis désolé, hein, si elle dure 30 minutes, je m'en excuse humblement. Mais si jusqu'actuellement, j'ai moins de temps ici pour faire une vidéo. Et puis avec Spidey, vous savez très bien que quand ça bug... Ah bah attendez. Juste une réflexion. Quand vous sortez de prison, allez-y mollo sur les émeutes. Officier pris pour cible par des snipers. Besoin d'agents sur place à Clinton. Eh bien à toi. Grande nouvelle! Vous avez tous gagné un séjour sur une île. L'île de Riker. Bon, j'ignorais qu'il y avait autant de monde. J'ignorais que j'avais autant de fans ici. Ça me fait extrêmement plaisir, les garçons. On prend ça. Je vais prendre des nouvelles de Max. C'est ce que j'allais te demander. Moi, ça va, mais toi et Tantner, vous êtes en plein milieu. On a débordé. Mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Tu vois le truc? Ouais, je comprends. Pense bien à te protéger. Gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. Et c'est encore plus vrai pour Tantner. Tu la connais, personne pourra lui faire une pause contre son gré. Mais je ferai de mon mieux. Merci, Miles.
Embrasse tante May pour moi. Et sois prudent. Bizarre, il y en a autant des prisonniers dans la ville. Et hop. Bon, il y en a un qui a survécu. Je vous dirais bien de faire de meilleurs choix à l'avenir, mais... soyons réalistes. Allez, on va essayer sable. C'est flatteur. Mais dites à Silver Sable que je préfère qu'on reste amis. On va faire E pour terminer. Électrifier 5 mecs en même temps. Entoiler 3 ennemis à un mur. On va d'abord essayer de les électriciser. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, je l'ai pas fait totalement comme je voulais, mais bon, au moins c'est bien fait quand même. Ah, il y en a encore. Oh, allez, on va le faire. Allez, on va le faire. Allez, je vais être gentil. À toutes les unités, attention, une émeute vient d'éclater. Besoin d'agents dans le quartier d'Hudson Yards. Répondez. Regardez ici, ici, ce que je vois. Allez, là. Oh non. Attends-toi. Là. Retrouve-toi en palais si tu veux. Mais fous-moi la paix. C'est bien d'avoir gardé vos uniformes. Comme ça, vous avez pas à vous changer. Il y a quelque chose? Ah ouais. Ok, je suis allé voir votre site web et c'est écrit nulle part aggraver les situations de crise. Bonjour. Voilà, toi, à terre. Pourquoi est-ce que les films de Tom Holland n'étaient pas comme ça? Ça aurait été vachement mieux, non? Là où c'est triste, c'est que dans une heure, mais alors max, hein, ces mêmes types reviendront me courir après. Puis le... Attends, sont où les mecs? Ok, j'ai ma réponse. Les agents de sable, je pensais justement pas à eux. Quoi, quand on se roquette, tu vas me casser. Y a quelque chose? Je dois démanteler cet endroit. Essayons de le faire discrètement pour éviter de blesser. Il ne l'a même pas vu venir, ce qui est arrivé. Voilà. Putain, si je voulais pas faire ça. Hey, les gars, je vais finir par porter plainte pour harcèlement. Moi la paix. Voilà. Toi, tu vas dégager. Et toi. Voilà. Et puis ça, on fait détruire. Oh, pff, tu prends plein de poids. Bon bah, tout me saoule. Allez hop, salut.
J'aime la pète comme ça. Et un poste d'observation en moins pour Sable. Ça devrait me faciliter un peu les choses. Tu trouves? Moi, je pense pas. Moi, je ne le pense point, mon cher Peter. Encore? Et vous allez me foutre la paix, oui? Ça fait combien de vos collègues que je massacre, là? Allez. Ose me tirer dessus. Attention, des évadés à bord de véhicules volés, ils sur la voie publique. Voilà. C'est sympa, en fait, cette petite pause. Merci. Terminé. Voilà, au moins, on a neutralisé un peu des criminels. Au moins, on a un petit peu rétabli l'ordre. C'est déjà pas trop mal. À moins qu'il y en a encore dans la zone. Oui, ah, genre, voilà. Allez, allez, je suis gentil. Moi qui voulais finir plus tôt, je suis gentil. J'interviens avant qu'il ne tue quelqu'un. Vous êtes défoncé ou juste idiot? C'est quoi des flippers? De draper ou de faire écraser? Tous les trois. Salut. Allez hop, faut faire stopper ceci. Si possible, si possible. Voilà. Ouais, c'était bizarre ce qu'il vient de faire, mais bon. Un vrai film de science-fiction post-apocalyptique. C'était bizarre ce qu'il vient de faire, mais bon, pourquoi pas. On est pas loin. Bon, allez, y'a plus rien. Un petit crime dans la zone? Ah, un crime. Des mecs postés sur les toits, je sais pas. Aux agents déployés à Roosevelt, ici Centrale, quelle est votre situation? 10-4, ici le transport Sierra. On commence à rendre patrouille. Allez. Excusez-moi, c'est bien la navette pour quitter la ville? J'ai tout le temps que je vais terminer sur ci ou ça, mais au final, non. Bon, entoilé des mecs. Attendez, j'essaie de faire quelque chose. Voilà. Super! J'avais peur de tomber à court d'agents de sable à tabasser. Il y en a plus, il y en a encore. Wow, sérieux? Un peu dégage. Ben ça c'est un peu plus épique. On va se concentrer sur ça pour finir la vidéo alors. C'est tout? Encore vous deux? Allez, donne-moi ça mon grand. Allez, va faire dodo. Ah parce que t'en as pas fini toi? Voilà, là, dégage. Dégage, connard. Ouais, il est encore là-haut. Des prisonniers. J'ai rêvé, il y en a un qui est tombé, là. Vous avez bien vu. Voilà. Putain, il y en a certains... Il y en a qui n'ont pas chômé. Vie de ma mère, vous êtes casse-couilles. C'est tout ce que tu sais faire? Eh bien, il m'attend, il est gentil. Vous avez tous gagné un séjour sur une île. L'île de Riker. Encore en face? À cause de vous, les mercenaires violents, mauvaise réputation. Ça se les enchaîne les crimes ici. Oh putain. Ça c'est un crime, il en colle. Oh, merci. Allez, dégage. J'ai presque plus de gadgets, pas trop grave. J'ai encore mes points, comme dit Batman. Pas besoin des gadgets, t'as encore tes points. Ok, j'ai gagné la bataille. Mais je suis sûr qu'ils ont une bonne mutuelle. Bonne mutuelle? J'ai des doutes.
J'ai des doutes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour de vrai maintenant. Oh non, stop, c'est bon. Donc on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode de Spider-Man. J'espère en tout cas que ça vous a tous plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir. Mettez un pouce bleu si ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motive bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas encore abonnés. Je vous ai à l'œil et je suis content parce que dans cette vidéo-là, on n'a pas eu un seul bug. Donc en gros, c'est que en fait, peut-être que je force trop avec la manette comme je l'avais dit. Peut-être. On verra ça dans les autres épisodes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand Big Smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.